Ces émissions, justement, où l'invité est mis sur le grill, on entend les tirs d'ardisson, il y a aussi On n'est pas couché. Il y a pas mal de chanteurs, chanteuses qui ne veulent pas y aller parce que justement, ça les intéresse pas d'être mis sur le grill. Vous y allez à chaque fois, même pas peur. Moi, je suis tout le temps allé. Je faisais des soirées toute la semaine qui précédait l'émission où je demandais à tous mes potes de me préparer les questions les plus horribles. Ah, vous entraîniez ? C'est bien, mais bien évidemment. Expliquez-nous mais je leur disais, ça. Mais allez loin dans le vice, allez loin dans la perversion. Posez-moi des questions dégueulasses de ce politique, social, polémique, la religion, les machins, tout. Vous préparez au pire à chaque fois. Au pire, mais vraiment, quand je vous dis au pire, on me posait de sacrées questions. Je donnerai pas d'exemple. Et je ne me suis jamais faite attaquer, en fait. Non, mais c'est hilarant. C'est-à-dire qu'on savait que certains hommes politiques, avant des interviews, se préparent. Il y a aussi des artistes. Enfin, en tout cas, vous, en l'occurrence, aviez votre training. Non, parce qu'il peut y avoir des fins de carrière dans cette émission. C'est vrai. Si t'es pas... Enfin, moi, je sais qu'il y a des artistes, je citerai pas de nom, j'en ai même pas qui me reviennent, mais où j'ai été déçue un petit peu de... Je trouve qu'on voit aussi, justement dans ces moments-là où les artistes sont attaqués, mmh. on voit aussi les vrais visages. C'est-à-dire qu'on voit les gens qui ont beaucoup d'ego, on voit les gens qui sont pas forcément honnêtes dans leur démarche, etc. Et à la fois, il y a plein d'artistes qui se sont fait attaquer et que j'ai trouvé, sans forcément qu'ils soient hyper excentriques dans leurs réponses mmh. ou... Je les ai trouvés émouvants, je les ai trouvés sensibles, je les ai trouvés... Donc ça sert même quand on se fait attaquer aussi.